Mardi 5 décembre 2023, bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Sédoua Dambi, a procédé le samedi 2 décembre dernier en sa qualité de parrain au lancement du projet d'appui à l'autonomisation des femmes des départements de l'Alibourie, de l'Atakora, du Bogo, de la Dongar et des Collines. La cérémonie de lancement de ce projet portée par la team Falk s'est déroulée à Parakou, à suivre en début d'édition. Le 30 novembre dernier, cela faisait 1000 jours que l'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, Rekat Madougou, est en détention à la maison d'arrêt de Misrété. Le refus catégorique officiellement exprimé par le chef de l'État Patrice Talon quant aux appels à la grâce présidentielle aura attristé et déconcerté plus d'un la prière musulmane de Parakou, initiée par les amis de Rekat Madougou, vient comme pour redonner espoir à cette dame. Et puis, une délégation du parti politique Bloc Républicain dans la commune de Niki, le week-end écoulé, la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou, l'honorable Robert Guyan et le ministre Samou Sédoua Dambi sont allés témoigner leur gratitude aux militants à la base pour leur engagement militantiste observé lors des élections législatives passées. On en parle en pied d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les femmes jouent un rôle prépondérant dans le développement d'une nation. Elles s'engagent dans différents domaines, notamment dans l'entrepreneuriat pour leur autonomisation. Conscient de cela, Team Falk a initié le projet qui vise à renforcer le savoir-faire des productrices et transformatrices et promouvoir leurs produits locaux à travers les femmes de 5 départements du Nord Bénin. Romaric Fadiebe et Gloria Chabi y étaient à la cérémonie de lancement de ce projet. On suit plus tôt. Je voudrais déclarer lancer ce jour 2 décembre 2023 le projet d'appui à l'autonomisation des femmes dans les départements de l'Alibori, de l'Atakora, du Borgou, de la Donga et des Collines. Et le projet d'appui à l'autonomisation des femmes dans ces 5 départements est ainsi lancé ce jour à Parakou par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Sédoua Dambi, en sa qualité de parrain. La cérémonie empreinte de solennité a réuni en présence du maire Noussa Chabizimé les responsables des groupements de femmes des milieux ruraux. Porté par la team Female Leaders in Action, ce projet vise à renforcer les capacités des femmes, mettre des cadres légaux que nous allons formaliser pour qu'elles puissent bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce que le gouvernement a mis en œuvre pour l'autonomisation de la femme. Il s'agira également de les aider à améliorer leurs produits pour que ces produits soient mieux élaborés et qu'on puisse retrouver ces produits dans les grandes surfaces tant de notre pays qu'à l'extérieur et permettre ainsi d'avoir de la valeur ajoutée pour que ces femmes-là puissent en vivre décemment. Nous avons besoin des partenaires techniques, financiers et avoir des autorités derrière nous, ça donne caution, n'est-ce pas, à ce que nous faisons. Du côté de l'autorité ministérielle et de celle communale, le soutien et l'accompagnement ne feront pas défaut. Quant à mon soutien, je ne ménagerai aucun effort pour vous mettre en contact avec les structures compétentes pouvant contribuer à mieux vous orienter, outiller, accompagner ou propulser vos actions. Au nom des maires de ce département cible, je prends l'engagement de vous accompagner. Je serai le porte-parole de votre team à Orléans. Des femmes leaders des groupements féminins ciblés saluent le projet de la team FLACT et expriment leur gratitude à l'endroit du parrain. Cette initiative de Team FLAC, c'est déjà une action louable. Je tiens à remercier le ministre Samou Sédoua Dambi qui œuvre pour la promotion des femmes. Ce qu'ils sont en train de nous faire là, ça nous aidera trop. Ça nous a donné la joie au cœur. La Team FLAC entend faire de la femme rurale un levier de développement à la base en lui donnant les outils nécessaires de renforcement des capacités pour un entrepreneuriat résilient au service de son bien-être et de celui de la communauté, à l'horizon 2026.
Il faut préciser que ce projet mis en œuvre par la Team FALC va durer 3 ans. Je vous le disais en titre il y a un instant, le 30 novembre 2023, cela faisait exactement 1000 jours que l'opposante au régime de la rupture a été incarcéré et condamné à 20 ans de prison par la justice béninoise. Pour marquer ces 1000 jours d'incarcération, les militants du Parti Les Démocrates de Parakou ont organisé le samedi 2 décembre dernier une cérémonie de prière à l'intention des détenus politiques en général et à l'endroit de Rikat Madougou en particulier. Eman Oussou et Suzanne Yarou étaient de la partie. Voici pour vous leur reportage. 5 mars 2021, 30 novembre 2023. Cela fait exactement 1000 jours que l'opposante au régime de la rupture a été incarcérée et condamnée à 20 ans de prison par la justice béninoise. Pour marquer ces 1000 jours d'incarcération, les militants du parti Les Démocrates de Parakou ont organisé ce samedi 2 décembre 2023 une cérémonie de prière à l'intention des détenus politiques en général et en particulier à Rekia Madougou. Tant que ils ne seront pas libres de leur mouvement, nous ne serons jamais fatigués, n'est-ce pas, de prier, d'implorer Allah, n'est-ce pas, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il permette à notre Père, le Président de la République, qu'on le veuille ou pas, c'est Dieu qui fait un chef. Nous sommes obligés d'être à ses pas. Nous l'implorons. Les gens sont passés par plusieurs voies médiatiques, à savoir par voie politique, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, pour que le Père de la Nation mette de l'eau dans son vin et avoir pitié de sa fille. Les militants du parti Les Démocrates, sortis nombreux pour implorer Allah le Tout-Miséricordieux, ont prié afin que le Tout-Puissant touche le cœur du chef de l'État, Patrice Talon. Même des hommes qui ont été condamnés à être mangés par des lions affamés ont été libérés par Dieu. Donc ce n'est pas notre présidente qui n'arrachera pas de la rancœur de ceux qui ont peur de la lumière. Quand nous les hommes, on pense qu'une situation est impossible, pour Dieu ce n'est pas impossible. C'est vrai que le président Talon a dit que lui n'accordera pas la grâce et que lui n'est pas partant pour l'amnistie. C'était il y a quelques jours, il a dit ça. Son cœur, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, Dieu le connaît. Dieu sait que peut-être d'ici demain, ce cœur-là qui a parlé il y a 3 jours, ce cœur-là, Dieu a la possibilité et les moyens de le changer et de passer d'un non à un oui. La seule porte d'issue pour une libération de Rekia Madougou reste et demeure la clémence du chef de l'État, Patrice Talon. Et les initiateurs gardent espoir. À l'heure où nous parlons là, un coup de fil suffit pour dire à partir d'aujourd'hui, Rekia Madougou est libéré, ainsi que Joël Aïvor et la suite. Tout dépend du président de la nation. Nous lui demandons pardon. On a les genoux à terre, qu'il met de l'eau dans son vin, que Rekia Madougou, on n'a pas besoin de le lui rappeler, c'est sa fille. Quoi qu'il arrive, c'est lui. Papa vient de le dire. Papa Aguet vient de le dire. C'est lui qui peut dire, je donne autorisation pour qu'ils en les sortent. Et parce que Dieu a ce pouvoir-là, nous implorons le Seigneur pour qu'il touche encore ce cœur-là. Pour rappel, Rekia Madougou est reconnu coupable de financement des actes de terrorisme et condamné par la justice béninoise à 20 ans de prison. Après 1000 jours de détention, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer une arrestation et détention arbitraire et souhaitent sa libération. Les regards sont tournés vers Patrice Talon pour une quelconque grâce présidentielle. Et on prend à présent la direction de la 7e circonscription électorale. Après Kalalé, Sinandé et Bembereke, les responsables du parti politique Bloc républicain ont jugé utile de finir leur tournée de remobilisation et de remerciement et de réduction de comptes justement, démarrée depuis un moment dans la 7e circonscription électorale par la commune de Niki. Il s'agit non seulement de remercier leurs militants pour les efforts fournis lors des élections passées, mais aussi de leur rendre compte des actions déjà menées pour le compte de la 9e législature et surtout de les écouter sur les actions du parti afin de rendre compte à qui
de droit. On suit ce reportage pour plus de précision. Le parti politique Bloc républicain en mode remobilisation dans la 7e circonscription électorale. Après les communes de Sinandé et Bembereke, les lieutenants du président Abdoulaye Diop Tchané étaient en équipe ce samedi 2 décembre. La ministre Aurélie Adamsoulé Zoumarou, l'honorable Robert Bihan et le ministre Samou Sédoua Dambi témoignent ainsi leur gratitude aux militants à la base pour leur engagement militantiste observé lors des dernières élections législatives. Ils sont venus pour la reddition des comptes et aussi pour remercier nos militants qui vous souviennent après les élections législatives de janvier passé, on n'a pas pu faire cet exercice. C'est vrai, cet exercice nous l'avons déjà fait à Kalalé, on l'a fait à Sidané, à Bembereke la même chose. Niki étant la 4e commune qui restait dans la 7e circonscription électorale, il était normal que nous venions à Niki pour remercier nos militants à la base, les militants du Bloc républicain. Et cette séance d'échange a été très animée, très fructueuse. Ils ont pu exprimer leurs préoccupations, dire aussi les points sur lesquels ils estiment que nous devons focaliser également notre attention. Et nous, de notre côté, que ce soit moi-même, l'honorable Guyan, le ministre Adambi, le maire de la commune, nous avons pu leur exprimer notre satisfaction de les voir mobilisés, de les voir engagés pour la cause du parti. Face à leur leader, ces militants venus de tous les arrondissements de la commune de Niki, qui sont essentiellement des agriculteurs, ont exprimé des préoccupations liées à la commercialisation du soya. Des malcompréhensions sur la question qui ont sans doute conduit à l'échec du Bloc républicain dans la 7e. Et je crois que les uns et les autres sont revenus, n'est-ce pas, au meilleur sentiment, surtout avec les mesures du soja. Nous sommes pour la plupart des agriculteurs, essentiellement des agriculteurs dans la commune, et les gens étaient très fâchés contre nous parce qu'ils pensent qu'on devrait pouvoir casser les mesures du gouvernement par rapport au soja. Donc pour eux, nous ne nous sommes pas occupés d'eux. Mais la réalité est là, on l'a expliqué et les gens ont compris. Heureusement que de nouvelles mesures sont venues pour mettre de l'eau à notre moulin et nos populations sont plus que galvanisées. Elles ne nous ont jamais laissés, elles se sont exprimées. Et ça, c'est une façon d'expression que nous avions vraiment compris. Et si elles nous ont lâchés, on aurait eu zéro. Et puisqu'on a sorti un député dans la 7e, donc il y a de l'espoir. Les militants là-bas, vous voyez les questions pertinentes qui nous ont été posées. Et ces questions avaient pour but de savoir ce qui n'a pas marché et qu'on puisse en tenir compte pour que le parti puisse être le plus grand parti dans la commune de Niki. Au ministre Samou Sédoua Dambi de remobiliser les militants à la base pour de grandes victoires lors des prochaines consultations électorales. Ce que nous avons à leur dire, c'est de se remobiliser et de croire donc en ce qui nous a unis et qui nous a poussé donc à aller à la création de ce parti, c'est aller à la conquête du pouvoir et le gérer. Le pouvoir à tous les niveaux, communal, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau également du sommet du pays, ça veut dire la présidente de la République. C'est notre raison d'être. C'est la raison d'être d'un parti politique et nous nous battons pour cela. C'est pourquoi nous allons multiplier ces contacts directs entre nous et nos militants à la base pour les rassurer, pour leur donner confiance afin qu'ils puissent se remobiliser ensemble avec nous pour faire revivre donc le cheval cabré. À l'issue de cette séance, ces militants repartent ainsi éclairés sur plusieurs sujets, dont l'avis du parti politique Bloc républicain, et promettent travailler davantage pour le rayonnement de cette formation politique dans la 7e circonscription électorale. Les nouvelles sur le continent à présent, il avait dénoncé une tentative de coup d'État ce samedi. Le président Umaro Sissoko Embalo reprend la main à Bissau 3 jours après des affrontements qui ont semé la panique dans la capitale dans la nuit de jeudi à vendredi 1er décembre 2023. Ce lundi matin, le président Bissau guinéen a décidé de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition. Une réunion du Conseil d'État a été convoqué au palais présidentiel à l'initiative du président ce lundi matin et parmi les membres de ce conseil, tous les représentants des grands corps de l'État, le président de la Cour suprême, le président de l'Assemblée nationale Domingo Simoes Pereira
et le Premier ministre Geraldo Martins, ainsi que les leaders des partis politiques. À l'ordre du jour, la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée ce lundi par le président Ambalo, 3 jours après des événements qu'il a qualifiés de tentative de coup d'État qui entraînent mécaniquement une dissolution du gouvernement de cohabitation. Cette option était plus qu'envisagée, tant il est vrai que depuis les élections législatives de l'été dernier, la cohabitation est de plus dure et complexe entre le chef de l'État et le Parlement d'opposition victorieux au sein de la plateforme de l'Alliance inclusive Terra Ranca. La tentative de coup d'État de la semaine dernière, provoquée par un interrogatoire de la police à l'encontre de 2 ministres de cette opposition, en est l'illustration. C'est sur cette information que nous mettons un thème à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chérif Dine Kora, sur la coordination technique de Sujani Yarou. Bon mardi à chacun et à tous.